On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Collection Naturaliste. Et là, je suis tombé sur quelque chose de vraiment, mais vraiment sympa. Regardez-moi ça. Un bois de chevreuil. Cet objet sera donc, eh bien, de rareté épique. Ouais, faut quand même un peu de chance pour tomber sur un bois de chevreuil. Franchement, ça fait super plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les bois de chevreuil? Eh bien, déjà, les bois des cervidés comme chevreuil, cerf, etc., eh bien, ce sont des os. Chez les chevreuils, seuls les mâles ont des bois, et ça leur sert à plusieurs choses. Premièrement, eh bien, à se défendre face aux prédateurs, mais surtout, eh bien, à draguer les femelles. En regardant bien, on remarque qu'il y a un peu de fourrure sur ce bois. Eh bien, c'est tout à fait normal. Lors des premières semaines où les bois vont pousser sur la tête du brocard, le chevreuil mâle, ils seront recouverts, eh bien, de peau et de fourrure. La fourrure sur les bois se nomme le velours. Vous pouvez retrouver l'avancée de la collection naturaliste en description ou en commentaire. J'ai plutôt hâte de voir ce que nous trouverons la prochaine fois.